et c'était que des sourires. Donc j'imagine que tout ce dont j'espère, ce qui a transparu pendant tout ce temps qu'on a parlé ensemble, c'est-à-dire quand même cette espèce d'enthousiasme et de goût pour le bonheur, j'imagine le tenir de là, de tenir de mes racines antillaises, je crois. Et cette chose qu'il y a avec le sourire, le rire et le sourire, on m'a toujours parlé de mon sourire, ça m'a agacé beaucoup, enfin parfois, ça m'a agacé. Qu'on me demande toujours de sourire sur les photos, par exemple, ça m'a agacé. Toujours, toujours. Alors je dis, mais il n'y en aura-t-il pas un qui un jour ne va pas me demander de sourire, va me laisser regarder un peu sérieusement. Et puis, après tout, il ne faut pas refuser ça. Bah, tant mieux si j'ai un sourire qui fait plaisir aux gens. Et je suis sûr que je tiens ça aussi de mes racines antillaises. Le rire dans la race noire est très important. On rit quand on est gêné, mais on rit. J'ai remarqué qu'en Afrique, et tout de suite, c'est la première chose que je faisais, en Afrique ou ailleurs, j'essaie toujours d'installer un truc avec les yeux, quoi, puis avec le sourire, en riant, et c'est bien rare que ça se passe mal dans ces cas-là, même dans les pires endroits. Adieu, foulard, adieu, madras, adieu, vin d'or, adieu, collier chaud, doudou, en moins. Qu'a parti, hélas, hélas, c'est pour toujours, doudou, en moi, qu'a parti, hélas, hélas, c'est pour la vie, bâtiment là, qui dans la garde là, prend doux de moi. Doudou en moi, et qu'a parti, hélas, hélas, c'est pour toujours, doudou en moi, et qu'a parti, hélas, hélas, c'est pour la vie. Bonjour, monsieur le commandant. Monsieur le capitaine, doudou en moi, et qu'a parti, hélas, hélas, c'est pour toujours, doudou en moi, et qu'a parti, hélas, hélas, c'est pour la vie. J'ai découvert un jour, bêtement, qu'en mettant un piano, en mettant mes doigts sur un piano, je pouvais faire de la musique. Vous vous rendez compte la trouvaille que c'est quand vous trouvez ça? Vous dites, c'est le rêve de tout le monde. Bon, vous dites, je vais pouvoir vivre avec ça, vivre de ça, gagner de l'argent avec ça. En même temps, vous trouvez des choses, il n'y a rien de plus réjouissant. Enfin, je ne sais pas si... Mais je crois que vous n'écrivez pas la musique. Si, si. Non, je n'écris pas, mais je... Tout est dans votre tête? Comment voilà. vous... Bon. Je travaille ça à l'oreille, comme ça. Et vous enregistrez, vous entendez sur une cassette pour le faire? Non, je ne sais pas comment ça fonctionne, c'est pour ça que je vous le demande. J'enregistre pas, non. J'enregistre quand j'ai tout. Quand j'ai tout, je me fais... Quand j'estime que j'ai mon nombre de chansons, là, je les mets sur une cassette, puis j'écoute. Mais vous avez à retenir tous les airs. Oui. On les a vraiment, comme ça. Oui, tout, ouais. Puis des harmonies et tout. Ouais. Mais après, c'est pourquoi j'oublie. Et... Oui, mais après, il faut... de me souvenir de d'anciennes chansons, j'ai beaucoup de mal, je suis obligé de retravailler, d'essayer de retrouver les positions et tout, c'est très compliqué. J'ai toujours fait ça comme ça, fait de façon un petit peu artisanale. Vous n'avez pas eu envie de faire des paroles de chansons? Non. On le fait au début, mais c'était nul. J'ai arrêté. Non, je ne suis pas bon pour écrire. C'est malheureux, j'aimerais bien. De toute façon, je suis comme tout le monde, j'admire ce que je ne sais pas faire, ce que font les autres. Alors. Je ne suis pas un type comme Gainsbourg, par exemple, j'admire énormément le talent multiple qu'il a d'écrivain, de poète, de musicien, de peintre, de cinéaste, etc. Mais déjà, je trouve ça très...
trouve que c'est un don du ciel d'avoir eu cette voix, que moi je n'aime pas trop, mais apparemment qui... ça va quand je chante. Bon. Moi j'aime pas beaucoup ma voix. Bon. J'aime pas beaucoup m'entendre, j'aime pas beaucoup me voir. Alors ça... Mais en même temps je crois que c'est bien ça, parce que ça me... Je suis jamais vraiment fier de moi. Alors ça me rend très exigeant et c'est une... J'aurais pas rêvé de meilleure vie. Vous dites vous n'aimez pas votre voix, vous n'aimez pas tellement votre physique, mais je trouve que quand même pour réussir, il faut s'aimer un peu, et pas dire que vous ne vous aimez pas. Sous certains angles. Il y a des choses de vous dont vous n'êtes pas satisfait. Vous n'êtes pas un clan. D'ailleurs, vous avez dit que vous auriez finalement pas voulu avoir une autre vie que celle que vous avez maintenant. Ah oui, bien sûr. Non, mais sous certains angles, ça va. Non, mais c'est quand, je vous assure, c'est la vérité. Je dis quand je me revois ou quand... Je me dis, ça pourrait être mieux et tout ça, enfin, voilà. Je travaille beaucoup, hein. J'essaie de... que ça soit mieux à chaque fois, de spectacle en spectacle. Mais à un moment donné, il faut y aller, on rentre dans la lumière, et puis on balance aux gens, hein, voilà. On verra bien comment ça sera reçu. Mais ça me dit, ce bébé, ça me dit toujours des vêtus. Dites jamais que je vous ai dit ça, ça me tue. Le matin derrière ses canis, alors qu'elle est moitié nue. Sur les murs de Porsche Mélissa, y'a tout plein d'inconnus. Descendez ça, c'est défendu. Oh, c'est indécent. Et qui m'est bien entendu, personne ne descend. Sous la soie de sa jupe fendue, en souvent mon plan. Ça vit toujours des vêtus. Dites jamais que je vous ai dit ça, je vous ai jamais vu. Le matin derrière ces canis, alors je vends des longues vues. Mais si jamais Mélissa, c'est ça, là c'est moi qui vous le dis. Pour vous, l'apparence, l'image, le look, comme on dit maintenant. Ah ouais. Toujours, ça, c'est toujours important. Enfin, important. C'est une façon d'exister, je trouve, s'habiller. Bon, moi, j'ai pas à me forcer, j'ai toujours adoré ça. Bon, j'ai toujours aimé. J'aime pas trop faire de courses, mais j'aime les fringues. Oui, j'aime les vêtements. Ah, mais est-ce que ce sont des signes pour vous, la manière dont vous êtes habillé, tel ou tel? Les gens, la façon dont les gens s'habillaient, oui, pour moi, c'est un signe quand même. C'est peut-être même, d'ailleurs, ma première façon de, pas de juger, mais de jauger quelqu'un. Quand je vois arriver, c'est comme il est habillé. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Ça, c'est dramatique, d'ailleurs. Mais c'est une façon de
ça veut dire quelque chose, oui, la façon de s'habiller. Ne serait-ce que parce que ça peut vouloir dire ne serait-ce qu'une chose, c'est que la personne s'en fout déjà. Des gens qui se foutent de s'habiller, donc ils vont... Bon. Non, pour moi, c'est important. Hein, les gens mais vous avez changé de... d'apparence. Au fait encore heureux, dites donc. Je ne suis pas habillé comme à l'époque de R. Hein. ça a été vachement important pour vous, R. Oui, c'est important. Comme... Pour tout le monde, d'ailleurs. Pour tout le monde. Ouais. Et comme beaucoup de choses qui me sont arrivées importantes dans ma vie, naturellement, je n'ai pas voulu le faire au début. Mais ça c'est un des trucs... Et pourquoi vous ne vouliez pas le faire? Qu'est-ce qui parce vous a agacé? Parce que, je vais vous dire, parce que... que j'écrivais mes chansons, on venait enfin de pouvoir faire des disques. J'avais chanté en première partie de Gilbert Bécaud à l'Olympia, à cette époque-là, je m'habillais tout en noir. J'étais avec Rod Agile, Momo, Maurice Vallet et moi, on formait une espèce d'équipe de fer. Comme ça, une chanson, c'était un truc très important, c'était notre vie, on rigolait pas. La Californie, la Californie. Sur scène, j'étais très timide, alors j'étais un peu coincé, comme ça, un peu raide, je faisais des grands gestes comme ça. Et voilà qu'on vient me proposer un truc où les mecs se foutent à poil. Je me dis, ça c'est pas possible, je vais sûrement pas faire ça. Quand on est beau comme vous. Hein, D'abord, moi je vous trouve pas beau. Hein, ah ben oui, mais ça, moi je vous trouve beau et je ne suis pas la seule à vous trouver beau. Et qu'est-ce que c'est vieillir? Ben, je pense que c'est le problème, comme tous les hommes, le problème de tous les hommes et toutes les femmes. Enfin, oui, mais quand on a joué quand même sur son apparence, même si vous ne vous trouvez pas beau, vous avez joué sur votre apparence physique. Eh oui. Alors Ben, je serai peut-être très bien quand même quand je serai vieux. Ah, moi, je crois que vous serez un très beau vieux monsieur. Mais en attendant, vous en êtes encore loin. Ouais. Mais est-ce que ça vous apporte quelque chose de vieillir? Est-ce que c'est un plus en ce moment ou est-ce que c'est un moins? Oui, c'est un plus, je crois. Enfin, moi, je sens beaucoup mieux maintenant qu'avant, qu'à 20 ans. Je me sens plus tranquille, enfin, plus en accord avec tout ce que je fais. Dans le concours hippique, il y a des chevaux qui sont des chevaux tardifs. Quoi. On sort, par exemple, normalement, on devrait les sortir à 5 ans, leur faire des parcours, et ils sont un petit peu jeunes à 5 ans. Il va falloir attendre une année de plus. C'est des chevaux tardifs. Et moi, je crois que je suis quelqu'un tardif en ce sens que j'ai l'impression qu'il faut que je réfléchisse longtemps sur les choses, des fois, pour les faire ou pour admettre certaines choses. Bon. C'est sans doute pour ça que je me sens mieux aujourd'hui qu'avant. Vous avez une image de quelqu'un de gentil, quelqu'un de certaine probité, comme ça, quelqu'un de propre, de convenable. Non, mais c'est dingue. C'est la phrase de Lyoto, une femme convenable est une femme qui ne convient pas. Vous n'êtes pas une femme. Mais en même temps, il y a des gens qui disent que vous êtes sexy. C'est pas un mot que j'emploierais pour vous. Quand je vous regarde, je vois un bel homme, mais plus un beau garçon qu'un bel homme. Peut-être. c'est quelque chose qui revient souvent, alors ça m'agace un peu parce que je suis bien sûr, bien évidemment, pas tout d'une pièce, vous pensez bien. Ah, je m'en doute bien. Et que je ne suis pas, je suis sûrement pas que gentil. Vis-à-vis de certains événements graves, même très graves, de recul très rapide que je peux avoir, que je peux prendre par rapport aux gens, par rapport aux événements, me protège. Enfin, je sais pas, c'est une réponse que je vous fais. Hein. Bon, je suis obligé. Je prends un exemple de métier, mais je pourrais prendre un autre exemple. Quand un jour, plusieurs fois, j'étais dans une position, rien ne marchait, là, puis tout va commencer, tout commence dans une heure. Alors, dans ce moment-là, je dis bon, fonçons. Ça peut pas être pire que ça. Ça ne pourra pas être pire, c'est ça, parce qu'on est dans le pire. Alors donc, allons-y. Bon bah, fonçons. Alors, il ressortira peut-être quelque chose de très bien. On verra bien. Bon, alors, une espèce de fatalisme. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Ça, j'ai ça dans ma vie, beaucoup vis-à-vis des événements et tout. C'est difficile de parler de tout ça parce que ça m'est difficile de faire des introspections. Et justement, j'ai peut-être choisi le métier que je fais parce que je parle avec mon piano, je chante, j'ai une façon de parler, je crie des trucs qu'on m'a écrit, des sentiments et tout. Je n'ai pas à m'en expliquer comme ça, vous voyez ?
vous avez tout. Pour vous, tout a l'air lumineux, facile, agréable. Vous avez réussi, vous êtes quelqu'un de connu. Est-ce qu'il vous manque quelque chose? Oui, si vous formulez ça comme ça, évidemment, je suis obligé de vous répondre, il me manque rien. Non, mais est-ce qu'il m'a jamais vraiment, véritablement manqué quelque chose? C'est ça. Au début, je me suis dit, tiens, c'est bien, je peux écrire des chansons et tout, qu'est-ce qui va arriver? Il me manquait rien, sauf que je glandouillais un peu dans la vie, voilà. Bon, j'avais pas vraiment de but, voilà. Alors là, je m'en suis fixé un, et puis je continue toujours vers ce but. Je ne sais pas très bien ce que c'est, mais j'avance comme ça. Je ne suis pas très intéressé par les choses matérielles. Il m'est arrivé d'avoir... C'est normal, dès que j'ai eu un peu d'argent, j'ai voulu réaliser cette chose liée à la campagne, à la terre, à la possession. Tout homme doit avoir ça en soi, à un moment de sa vie, sûrement. Des fois, il y en a dans toute leur vie, je crois. Alors, j'ai voulu posséder un truc. J'en ai une première maison à la campagne, après je trouvais ça trop petit, c'était lié à ce que j'avais lu dans des livres, oui, des chevaux qui galopaient sur ces terres, ça, des grands arbres, des étangs. Enfin, la musique m'a permis de m'acheter ça, je me suis acheté ça, et puis j'ai réalisé toujours pareil, le plus passionnément que j'ai pu, j'ai essayé de remettre cette espèce d'ancienne propriété, de la faire vivre comme peut-être elle avait vécu dans le temps. Avec plein de gens qui travaillaient là-dedans, avec plein d'animaux partout, une ferme, une maison de maître, un moulin. Bon. Alors tout l'argent que je gagnais passait là-dedans. Et j'ai réalisé cette chose, la de possession, et je me suis rendu compte que finalement, c'était passager cette affaire de possession. Parce que ça a été lié à un moment de ma vie. J'ai revendu. Et je me sens très très bien, puis j'ai revendu. Je ne suis pas fait pour posséder, pour avoir des choses. Est-ce que vous vous sentez dans la vie, est-ce que vous vous engagez pour telle ou telle chose? Je peux le faire, et je l'ai fait, parfois. Vous l'avez fait là, récemment, à propos d'Éthiopie. Oui, et puis avant, j'ai fait pour la peine de mort, c'est le truc dont je suis le plus fier. C'est la peine de mort, parce que ça m'a demandé à moi d'y réfléchir, parce que c'est pas facile, c'était pas facile. Mais peut-être si j'avais pas vu un procès de peine de mort, peut-être que je l'aurais peut-être pas fait. J'aurais dit je suis abolitionniste, mais... J'aurais pas fait la chanson. Il a vraiment fallu que je voie, que j'assiste à un procès avec Badinter, plaidant, tout ça, pour que je voie comment fonctionnait la justice d'un pays, etc., de notre pays, pour en sortant de là, me dire là, je suis abolitionniste. Il n'y a pas d'histoire. Après ce que j'ai vu, etc., et le type était un monstre. Hein. Je ne sais pas ça pour l'instant. Mais plus. Donc d'autres engagements, comme ça, je peux en faire et j'en ferai. Et je crois que pour qu'une voix de chanteur, quand il s'engage dans une cause, il faut pas que ce soit quotidien. Je crois que les chanteurs, on est à tout le monde. Justement, on est là pour faire battre le cœur de tout le monde, sans distinction de race, de classe sociale, ni même d'engagement. On est des points de même. Je cherche mon mot. On est des points de rencontre même pour les gens. On ne doit pas être autre chose. Enfin, il me semble. Il y avait, quand j'ai fait cette chanson à peine d'or, il y avait une dame qui m'avait écrit une lettre très jolie. Je trouve que c'est le meilleur résumé pour tout ça. Elle me disait, c'est pas bien ce que vous faites. Elle me disait, moi, je suis pour la peine de mort. Et quand vous chantez votre chanson, vous nous retournez presque. Et ça, c'est pas bien. C'est à quoi je lui répondrais que chacun se bat avec les armes qu'il peut, surtout pour une chose aussi importante. Ça, c'est intéressant, ce rapport-là. Quand je chantais cette chanson-là, eh ben, chaque soir, c'était sans doute la chanson la plus applaudie. À cette époque-là, en France, il y avait 65% de gens pour la peine de mort. Alors donc, j'imagine qu'il y avait ce rapport-là dans les salles. Bien sûr. Hein, les gens, ils applaudissaient très fort. Ça prouve que quand on parle à leur cœur, en même temps qu'à leur tête, on peut expliquer quand même, on peut parler des choses. Embarqué sur un navire
n'a plus ni voile ni rame, attendent le vent. Loin du cœur et loin des yeux, de nos villes, de nos banlieues, l'Éthiopie meurt peu à peu, peu à peu. Rien qu'une chanson pour eux, pour ne plus fermer les yeux. C'est beaucoup et c'est bien peu, c'est bien peu. À chaque enfant qui tombe, qui meurt loin des yeux de l'Occident, notre ciel devient plus sombre et notre avenir moins grand. Sur cette terre de sécheresse ne fleurissent que les tombes. Malgré toutes nos richesses, leur soleil fait de l'ombre. Important pour vous, les femmes, dans votre vie? Oui, c'est un jalon depuis assez tôt. Ouais, très tôt même, puisque parfois les amours d'enfants sont les plus dévastateurs. Hein, et je me souviens d'un vraiment en classe, mais en souffrir, mais vraiment beaucoup. Parce que c'était pas partagé, parce que c'est pas possible, parce que plein de choses. Bon, et ça me... Ça vous fait mal encore maintenant? Je me souviens un petit peu. De... Vous avez parlé d'une chose dans votre livre, je reviens un petit peu en arrière, là, sur le Poitou, parce que sans avoir fait comme vous, c'est-à-dire avoir suivi des gens dans des greniers de foin, mais je me souviens par exemple, ça c'était un amour impossible à dire, c'est vrai, qui m'a fait souffrir. Alors ça devait être. Moi, je vais avoir 10-11 ans, la fille 14 ans. Alors, forcément, elle allait au bal, elle avait des mecs, qui, elle avait des petits amis, c'est normal, tout ça. Mais alors, on faisait du vélo, ensemble. Alors, moi, j'avais le droit que de faire du vélo. Bon, forcément, l'après-midi et le soir, bah, moi, j'étais obligé de rentrer, et elle, forcément, elle allait au bal. Et là, j'en aurais crevé. Là, j'ai été beaucoup jaloux dans ma vie, hein, je suis très jaloux. Mais là,
J'ai été jaloux, hein, de ces petits, de ses fiancés de l'époque. Et c'est très lié aussi à la campagne, où ça, les shorts, l'été, les trucs. Vous êtes jaloux. Mais vous devez souffrir d'une... Oui. Souvent. Oui, mais voilà. Comment se souffre moins aujourd'hui, parce que j'ai décidé de l'assumer et de le dire. Alors que pendant très longtemps, je... On a honte un peu d'être jaloux. Ouais. Mais est-ce que vous rendez les gens jaloux, vous? Ah non, je ne sais pas faire des trucs pareils. Ou alors si je fais, c'est inconscient. Oui, mais ça a bien dû vous arriver. Ah bon, hein, de préférer une dame à une autre et que de rendre ça, donc ça... très très malheureux. Oui, mais j'essaie toujours de faire très attention à ça. Pourquoi vous essayez de faire très très attention? J'essaie toujours de faire attention à l'autre. Ouais. J'essaie de ne pas blesser. De ne pas blesser, ouais. Toujours. Enfin, une espèce de... de politesse vis-à-vis de l'autre que j'essaie toujours de respecter. Et qu'est-ce qui est le plus important pour vous en ce moment? Votre métier, votre vie privée? C'est l'ensemble, je crois. Il faut que la femme qui vit avec nous comprenne comme ça d'elle-même certaines choses, que à certains moments on n'est pas gentil, on n'est pas... Mais c'est pas parce qu'on n'est pas disponible, en fait. Oui, oui, même, on n'est pas gentil, même, en emmerdant. Mais c'est parce qu'en ce moment, à ce moment-là, c'est une épreuve, une période de création, et qu'à ce moment-là, bah, sans le vous, on ne le fait pas exprès, mais on a constamment la tête ailleurs. Et c'est comme ça. Et c'est des choses qui sont difficiles à expliquer. On peut essayer d'en parler, comme ça. Moi, je suis pas trop fort, moi, pour expliquer les trucs. Et on peut essayer de faire partager. Bien sûr qu'on peut essayer, mais il arrive un moment où... ça prend trop de place. Il y a des gens d'ailleurs qui sont jaloux. Mais c'est encore pire pour vous, parce que vous écrivez. Nous, même au piano, je trouve un air, je peux toujours dire qu'est-ce que t'en penses. Mais moi, ça m'arrive aussi de tendre une pile de feuilles de papier en disant qu'on sent pas. Ah non, je fais lire, moi. Ouais. Au bout de toutes les 50 pages, je demande ma vie à l'homme de ma vie. Ouais. Par chance, je suis tombée sur quelqu'un qui ne me fait pas de cadeaux. Qui me dit, oh là là, ma pauvre fille, mais c'est complètement débile, ce truc. Alors, je pique des colères épouvantables, mais c'est pas vrai, enfin, écoutez, bon, peut-être que c'est la même chose si vous jouez un air, ils vont me dire, non, ça colle pas bien, vous mettez peut-être en colère aussi. Ouais, mais est-ce que vous résistez aux tentations? Oui, je peux résister aux tentations, ouais, pas mal même. Vous savez, je suis assez... Toute ma vie, j'ai résisté aux tentations. Enfin, souvent, j'ai résisté aux tentations. Même, je suis assez timide comme personne et assez absolu. Ça, c'est pas un défaut. Non, mais enfin, absolu. J'aime que ça soit joli, toujours. Même si c'est très court. Je trouve pas comme ça les choses jolies. Non, c'est vrai. Bon, je vis avec quelqu'un que... une jeune femme que j'aime très fort et qui a une grande famille, qui a beaucoup d'amis. Bon, j'ai jamais eu autant d'amis qu'en ce moment, mais généralement, j'ai assez peu. Bon, j'ai très très peu de vrais amis et j'ai quelques copains. Et je me rends compte, j'en ai toujours eu assez peu. Est-ce que par moment, ça vous est senti trop seul? Non, je vais vous dire. Généralement, la femme avec qui je vis, elle remplit plusieurs fonctions. Donc, j'ai pas eu ce besoin, comme quelquefois certains hommes, de faire des virées entre mecs, des trucs comme ça. La femme avec qui je vis remplit toutes ces fonctions-là, et aussi, j'aime faire tout avec elle. Comment vous voyez l'avenir? Vous voyez chantant tout le temps dans la vie? Vous voulez m'angoisser ou quoi? Ah non, oh non, non, pas j'aime. J'aime. Julien. T'es nerveuse, hein? J'aime les routes bleues, les routes Citroën. Coucou. Bien roulé, hein? J'aime. Hé, hey, c'est quoi votre direction? De Thun, je m'en vais. Oh. Allez, viens. Moi, j'attends que la mer monte. Est-ce que vous avez aimé souvent? Oui, toujours. C'est bien ça. Pourquoi? Mais quand on vous a quitté ou quand vous avez quitté... Bon, ben voilà, quand on a quitté.
écoutez, j'ai appris un truc. Vous avez appris quelque chose sur vous? Sur les gens, sur la vie. Sur moi, bien sûr. Mais comment on se sent quand on est vous et qu'une femme vous quitte? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un jeune homme? On vit très mal. Très, très mal. Mais est-ce qu'on a envie d'être méchant avec l'autre? Hein? Est-ce qu'on a envie d'être méchant avec l'autre? Oh, mais écoutez, ça c'est... vous savez, moi j'ai du mal à parler de ces choses-là, mais c'est des affres, on est comme tout le monde, hein, les affres de la jalousie et tout ça. Et puis du malheur, voilà. Et puis comme moi je suis assez passionné dans le bonheur, je le suis aussi dans le malheur. Alors je vis mon malheur très, très à fond, je souffre très, très fort, intensément. Et puis un jour, je suis plus malheureux. Je décide de plus être malheureux. Est-ce que ça a coïncidé avec des moments de difficulté dans votre vie professionnelle? Est-ce qu'il y a eu un ensemble de choses qui ont été mal ensemble? Je ne pense pas. Par contre, je crois avoir mis en danger ma vie professionnelle pour ça. Par amour? Ah oui. Ah oui. C'est peut-être la meilleure réponse à la question, souvent, ça c'est la question bateau. Qu'est-ce qui est plus important, votre vie professionnelle ou votre vie privée? Et j'essaie toujours de répondre dans ces cas-là. Tout ça, c'est un ensemble. Mmh. Mais si je fais, là, si vous m'obligez à me retourner sur le passeur, je le fais. Je crois que j'ai mis en danger une fois ou deux ma vie professionnelle à cause de ça. Je crois que je suis le contraire des gens. Je suis peut-être l'exception qui confirme la règle. Je ne suis en aucun cas un artiste qui peut créer dans le malheur et tout ça. Alors ça, c'est le contraire de moi. Moi, je pense que j'aime le bonheur et je compose beaucoup mieux et j'écris et je fais mon métier beaucoup mieux quand je suis heureux. Quelle est la plus grande claque que vous avez reçue sur un plan professionnel? Je sais pas, je suis trop protégé, je suis sûr, pour m'être rendu compte des vraies claques que j'ai prises. Je suis sûr qu'on m'a caché des trucs. Je sais même qu'on m'a caché certaines choses. Mais il n'y a pas quelque chose qui tout d'un coup vous fasse encore mal, longtemps après? Que vous ressentiez encore comme un échec? Je sais pas, je ne vois pas là, puis même si je voyais, je me vois pas le dire de toute façon. Je trouve que... Non, parce que c'est vrai, vous dites enfin d'être heureux, ça sert. Bon, ça c'est un petit couplet que j'aime bien, mais je vais le dire. Là, je vais le dire, c'est un petit couplet que j'aime bien, mais je vais le dire parce que c'est vrai. Je trouve que c'est notre métier, c'est brillant. C'est, je crois que c'est la politesse numéro un vis-à-vis des gens. Balançant ses épaules nues
Un peu en arrière, on a discuté de ça tout à l'heure, du malheur, ça. Je me souviens d'un jour où j'étais très malheureux, justement, parce que vous m'aviez posé la question, j'avais été quitté. Et c'était Mort Schumann, j'ai rencontré, qui m'avait dit, dans une boîte un soir, je traînais dans les boîtes, bien sûr. Et il m'avait dit, en anglais, stay, don't be like that, sois pas si malheureux. Stay where you belong to. Reste à l'endroit auquel tu appartiens. C'est un bon conseil. Il avait dit, lui avait dit à deux top que ce que tu es gentil de sa part, ce qui n'était pas vraiment le cas en plus d'ailleurs. Mais bon, à deux top ou au sommet ou ailleurs, reste à ce à quoi tu appartiens. Et j'ai trouvé que, bon, à l'époque, sur le moment, ça m'avait agacé qu'il me dise ça. Parce que je. Qui prennent comme ça mon malheur par sous la jambe, mais il avait raison. Comme tous les gens qui font ce que je fais, on appartient à cette chose comme ça un peu abstraite, en rapport un peu avec le cosmos, quoi, avec le ciel.